Ou 30 moins 43. Moi je pense que si on fait 43 moins 13 et qu'on finale les non, 30. Non, non, 43 moins 13, non, non, non. Non, parce que le résultat à la fin, on doit trouver 13. Tu peux pas utiliser 13 pour trouver 30. Parce que tu sais pas. Bah si, si tu prends la moitié de 30, c'est 15, mais que tu enlèves 2, parce qu'on est 2. Non, mais en vrai, si normalement, quelqu'un de logique prendrait 43 moins 30, ce qui donne 13. Mais pourquoi plus 43? Mais parce qu'il était 20h43 quand tu m'as dit ça. Oui. Fait 43 moins 30, ça donne plus 30, oui, mais... Bah non, ça fait 13. Du coup, vu qu'on part dans minutes et qu'on parle du passé, on doit changer le sens. Donc du coup, ça doit être 30 moins 43. Donc ça doit être moins 13 minutes que t'es en retard. Je suis en avance de moins... Ça le fait, putain. Je suis trop fort, moi. Oh, putain de merde. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre des camionnettes, ou une ou deux, tu vois, ou je pense qu'on va prendre une, tu vois. Et on va prendre n'importe quelle voiture, qu'elle soit garée ou non, et on va mettre une amende dessus. Et même, on peut même prendre les voitures de police. On va gagner de l'argent, c'est ça? Normalement, ouais. Comment on fait pour la prendre? Tu te mets, alors par contre, faut que tu sois devant. Pousse-le avec ton camion. Ouais. Ah, tu devrais te dépêcher. Ah, attends, vas-y, vas-y, on repasse plus tard, on repasse plus tard. Ah oui. J'ai mis une amende à sa caisse, vas-y go là-bas. Eh hey, ben vous prenez du temps hein. Ah bah ouais il voyait l'heure. Eh ben normalement on tournait. Oh l'heure, c'est quoi cette histoire de véhicule là? Qu'est-ce qu'il veut carré là? Voleur. Bah oui hein. C'est le véhicule d'un pub, c'est pas pour le moment. Bah pour moi il va falloir payer déjà l'amende de stationnement là. Combien? Bah là il y a l'amende de 1000$. L'amende de stationnement dans la même voiture, tu peux voir indiquer. Qu'est-ce que c'est voiture? Tu peux voir, tu peux cliquer, tu peux tout faire. Tu peux me faire un petit prix, s'il te plaît. Non. Par contre, là, ta sœur, est-ce que je crois que c'est un conducteur qui doit payer hein? Elle va rentrer à 1000$, paf, pif ou pas. Merci beaucoup, monsieur. Tiens. Eh bah, foutage de gueule, ça. Foutage de gueule, hein. Prends le moyen avec moi. Tu pourras continuer, là. Purée de potote. Bah, attendez, faut que je fasse. Bah, ça c'était la main, maintenant, faut que je vois les réparations, voir combien ça peut coûter. Bah, vas-y. Alors, le châssis, Attendez, alors que c'est la route de derrière, ce genre. Ça y est, un peu de tout, hein. Parce que les pièces neuves, pièce neuve, ça va être compliqué à voir, je peux avoir un délai avant 16h demain matin. Après, c'est à vous de voir, Ah, c'est pas joli, pas joli. Très, très beau. C'est pas joli, châssis, collègue. Collègue Lyon, Ouais. Combien estimez-vous le produit du coup, châssis neuf? Châssis neuf, ça va jusqu'à. Châssis neuf, ça va jusqu'à 500. Hein. 500? 500, ouais, bah mon dodo. 500 le châssis, ouais, 500 le châssis. Combien? 500 le châssis, monsieur. Ah bah, le châssis, monsieur, c'est la partie la plus importante, hein. Elle va arriver, écoute, je te le dis. Attendez, j'ai fait un truc. Je te le dis, normalement, la pièce, elle coûte 1500$. On te l'a fait prix d'usine 400. Nous on est gentils. Hein. Allez, 400. Merci. Allez, monsieur, 300. Non, après on y perd, Allez, et après on. Ah, mais on y perd, On va faire avec votre ami, on va faire un petit peu bourguignon. Bah, c'est ça, je peux pas réparer votre véhicule là. Le châssis, faut que je le commande avant de m'assoir. Nous on est les pièces à dire. Je vous achète un petit peu bourguignon, vous et votre ami, on en parle plus. Ouais, ça marche pas comme ça, monsieur, la pièce est 400. Je vous fais une marge de 1100$. Je peux pas faire plus bas. Allez, on coupe la part en deux, 350. Non, 400. Allez. 500 sinon, 500. Allez, s'il vous plaît. 500. Ok, 400. Voilà. Il y a une route cassée là, vous avez vu. Ah bah, il a pas payé la roue, il a payé le châssis. Hein. Ça répare doucement. Hein. Je répare. Bon, je vais bien vous payer la roue, monsieur. La roue? Ah, vous savez. La je pièce. Vous payez, vous me ah, alors, le paiement, faut voir ça avec mon collègue qui est dans la voiture. C'est lui qui a la caisse dans la boutique. Ah, pour la roue, vous êtes. Avez... Ah, bah, si, attendez, je vous dis. Monsieur, combien ça coûterait à remplacer les pneus? Ah, bah, le. Voilà, le devis, collègue. Oh là là, alors attendez. Je pense que c'est 15 000, vu leur prix. Bah, carrément. 15 000 d'usine, hein, mais on prend 10 000. 15 000, moi, je crois. Non. Non? Je sais plus combien c'est, ça fait longtemps que je parais pas de roue. Enfin, des panneurs. Tenez, votre ami là, qui a. C'est pour vous, c'est pour vous, allez, tenez. Allez, bisous. Et le bourguignon, c'est pour quand? On se le fait quand, le petit bœuf? Quand vous voulez, mais là, on est en service, monsieur. Ah, les carottes fondantes. Ça va être chaud, Oh, regarde, voilà. Ah vas-y roule. Horrible. Oh regarde-moi ça. Voiture de police à gauche mal garée. Allez prends-la. Voilà nickel. Allons embarque.
Attends. Waouh. Et c'est calme, messieurs, du calme. Les gars, monsieur, vous foutez de ma gueule. Monsieur, vous voyez comment elle était garée sur le parking. Ah, mais je loupe pas, on s'en fout. Par contre, on fait cette vêtée là-dessus. Il y a la jaune, elle est mal garée, viens, on la reprend. Arrête, ça veut. T'arriveras pas à la voir. Oh bah là, tu l'as coincé, mec. Tu fais n'importe. Oh oui! Oui. Vite, dépêche-toi, il est derrière. Allez, chop. Non, bah, elle est mal garée, monsieur. On est obligé, désolé, c'est notre boulot, ouais. Ils droit, ça marche pas. Non, moi j'ai appelé le propriétaire. Putain, on peut pas le prendre, bah c'est pas, retire-toi. On prendra la jaune en revenant. La voiture jaune qu'on peut choper. J'essaye, hein, mais. Viens m'aider, vite. Ouais, vraiment, viens m'aider. Roule. Ils ouvrent la porte. Bouge-toi. Qu'est-ce que c'est passé? Pousse-la. Voilà, normalement, tu dois l'avoir. Yes! On se casse! Ah bah écoute, hein. En plus, elle était vraiment mal. Bah ouais, bah voilà. Alors, phare avant, ça va bien coûter dans les 1000, ça. Phare avant gauche 1000, phare avant droit 1000. Par choc avant, on va me dire 1000 pour les deux. Le moteur. Ça vaut le plus cher avec 10 000. Hein. Oh, le moteur, gros, ça va ça monte jusqu'à 3500. Hein. Ouais, 3500, ok. Le pot, alors là, les pot. Deux chicanes. Oh là là, regarde à l'avant. Mais regarde-moi ce foutoir. Faudra que tu pousses ton véhicule parce que je peux pas accéder à l'avant. Faut que j'ouvre le capot. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre une contravention pour stationnement hors d'état de nuire. Oh là, mais regarde-moi ce foutoir là. Je vais repérer un phare là parce que ça fait de la peine. Bah, tu les fais payer plein tarif, hein, plein pot, ouais. T'inquiète pas, hey, s'il vient pas dans 5 minutes, tu augmentes la contravention de 1000 $. Mmh. Bonjour monsieur, ça va appartenant de votre véhicule là, c'est pas vous? Ah bah on attend la personne là, histoire que... La réparer, c'est juste que la réparation, bah, de toute façon, j'aime pas avoir des véhicules. Bah nous on veut bien, hein, mais bon, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le moteur qui est touché, ouais, hein. Il y a le... Ah d'accord, il y a ça va ton cousin. Ah c'est très compliqué parce que là, il y a plus que le châssis qui est cassé, hein. Il y a le moteur, il y a les bougies. La chicane, les phares. Il y a la chicane, les phares, ouais, il y a un peu de tout. Les pots d'échappement. Ah, il y a un peu de tout là, il y a les phares à veille. Ça coûte combien la réparation? Ah bah, chier collègue, la David, t'as regardé? Attends, je vais voir dans le bureau. Ok. Alors pour la réparation, il sera en 11 250. Ah, parce que là, il y a pas mal de boulot à faire. Ouais. Ah, on peut avoir les pièces pour demain avant 16h, ouais, c'est possible. Vous payez comment? Ah bah, par chèque, comme vous voulez. Chèque, carte bancaire. Espérous, comme t'as ça après, voilà. T'as changé d'accent là, c'est quoi? Je prends plus de plein d'accent. Alors en fait, hein. Pardon. Ah bah, un tech d'un bon grand homme. Ah. Ok. Pour nous, ça va être gratuit. Ah bah, le problème c'est qu'on n'a pas les pièces, on va pas pouvoir la réparer, monsieur. Hey. Le problème c'est qu'on veut bien, vous aider, messieurs, mais on n'a pas les pièces. Hein. On n'a pas les pièces, les gars. On n'a pas le moteur, Vous pourrez nous menacer avec des armes, vous pourrez nous menacer de mort autant que vous voulez. La voiture, elle sera toujours pas réparée. Hein. Ah bah, nous, je vous explique. Il nous faut de l'argent, Il nous faut de l'argent. Réparation, on a un site de nos concurrents de catalogue qui nous fournit tous les systèmes là. Si on commande avant 16h, on a la poste à peu demain matin. J'ai fait un retour Windows. Ça sert absolument à rien de nous braquer, hein. De nous insulter, de faire les mecs. Votre voiture, elle sera jamais réparée, on peut pas. On fait que notre boulot, monsieur. On n'est pas payé par la mairie, nous. On va aller voir à se plaindre à la mairie. Donc là, on veut pas de vos sissi la famille. Vous nous donnez l'argent, on répare votre voiture, vous rangez votre arme. On agit comme des grandes personnes. Et au bout d'un moment, on arrête de jouer comme des enfants. Donc vous donnez la thune, on répare, vous vous cassez. Il n'y a pas de problème. C'est trop drôle ton accent. Qu'est-ce qu'on va faire toi là? Non, mais nous en fait, le truc c'est qu'on veut une voiture et là elle est cassée. Ah, c'est ça, ok. On peut peut-être avoir un petit avoir et faire une petite réduction. C'est tout ce qu'on peut vous donner. Mais promets rien, les pièces sont très très chères. Il nous faut du bénéfice aussi. Le bénéfice est super important. Vous dealez de la drogue, tout ce que vous voulez. Nous, on gagne notre bon pain en réparant des voitures. Donc vous nous aidez un peu, c'est tout. Je vais pas vous cacher que j'ai deux gosses à nourrir. Vous le faites gentiment auprès du... Mais on en a rien à foutre. Au prix d'usine, vous en avez rien à foutre, mais vous savez pas ce que vous avez pas après, dans le problème c'est que la PEC elle est en prise en charge de 49 $ supplémentaires, ce qui est assez compliqué. Moi je veux bien y faire un effort.
On peut descendre à 10 000. Après, on peut pas faire plus bas. Les pièces coûtent très très cher. Ah, fais-moi faire plus bas, oui. Ah, toi là. Hé. Fais pas de mal à mon collègue. Hein. Avec moi. J'ai mon nom sur le badge, vous pouvez lire. Je m'appelle pas toi déjà. J'en ai rien à foutre. Rentre. Eh, collègue, tu t'occupes bien de deux et puis tu prends les 10 000. On peut pas réparer si on a pas les 10 000. Oui, t'inquiète pas, collègue. Ah, comme je vous dis, moi le problème c'est que je peux baisser. Mais 10 000, c'est quoi? Le problème, c'est qu'elles sont pistées par la police avec des GPS et des puces. En fait, vous pouvez les prendre. Pas de soucis. Bah, ça va être. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît, je vous entends pas. Si vous les ramenez, en échange, juste. Ok, alors ce qu'on va faire. On parle plus fort. Oui. Je comprends rien ce qu'il dit, le mec. Un véhicule, on vous ramène d'ici 2 minutes. Si 2 minutes vous ramène pas, vous pouvez appeler la police. D'accord, est-ce que je peux au moins avoir un nom? De toute façon, vu qu'elles sont géolocalisées. Pourquoi tu chuchotes? Aucun nom. De toute façon, on a la plaque là. On n'a pas envie d'avoir les flics sur le dos. Ouais, j'imagine bien. Écoutez ce qu'on va faire. Vous m'avez l'air gentil, vous avez un bon gros argument dans les mains. Je vais vous prêter mon camion. Mais voilà, si jamais vous voyez la personne concernant ce véhicule, n'hésitez pas à l'inviter à passer au magasin. Parce que les pièces ne s'appellent pas tout seul. Hein. Voilà, je vous passe mon camion. Hein. Venez. Oui, je vous ai ouvert le suite de droite parce qu'il y a mon collègue et mon collègue est actuellement votre collègue qui est avec votre collègue. Ouais, vous inquiétez pas, ouais. Gros, répare pas la voiture, tu Non, je la répare pas, mais ils me prennent mon véhicule. Ils se barrent, mais ils reviennent, ils skippent. Ils reviennent dans 2 minutes. Ils reviendront pas. Eh, pas tout bêtise, hein. Connard. Ah! Notre camion! Ah, super! Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. On vous ramène le véhicule. Y'a pas de problème. Ah ouais. Bah, elle est toute cassée. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, je m'appelle N'Golo Kanté. Je cherche du travail. Ah, du travail? Nous, on n'a pas besoin du travail. Oui. Nous, on ne propose pas du travail. D'accord. Nous, on fait le travail. Nous sommes des panneurs. Je veux faire le travail, monsieur. Notre travail, il est travail déjà. Déjà, vous pouvez pas travailler si travaille ici. Quand on va travailler plus tard. Plus tard, travaille. Ok. Pas de soucis. D'accord. Là. Merci beaucoup. Pas de soucis. Merci beaucoup. À travailler, plus. Merci. À travailler. Moi, j'ai l'impression qu'il est sur le stream, le mec en face. Mais là. Quel en fils de pute!